Avec les Anglais, l'échauffement commence très tôt. À l'heure du déjeuner, coup d'envoi du match des supporters en centre-ville. Sous une température printanière, les Mancuniens envahissent les terrasses, place Jean Jaurès. It's noon, the sun's shining, we're in France. A few of my boys here, we're loving it. We're absolutely loving it. We couldn't ask for the sun shining on us because it's a gift from God. It's a gift from God every day. Every day is a blessing. What can you say in French? Allez vous coucher à la voix. J'adore Man United. Avec Paul Pogba. Au fil des minutes, on trouve aussi des supporters stéphanois. Tout ce beau monde se mélange dans une ambiance conviviale qui rappelle l'Euro. Les Verts savourent l'instant. Pour eux, l'issue paraît presque inéluctable. Mais ce soir, on va viser tout sur l'ambiance de Saint-Étienne, quoi. Le reste, on peut plus rien espérer. Ça va être dur, 3-0 à remonter. Faut qu'ils jouent à fond dès le premier quart d'heure et puis après tout peut arriver. Hein, tout peut arriver. Mais on y croit fort. Hein. Au moins, on fait 3-0, qu'on va jusqu'en prolongation. Et allez les Verts, ici ça. Ici ça. Le chaudron. Voilà. Suivons les chants pour nous diriger vers le stade. 42 000 spectateurs se massent à Geoffroy Guichard en ce début de soirée. À l'entrée des deux équipes, tifos et banderoles géantes nous font plonger dans un chaudron en ébullition. Hélas, les hommes de José Mourinho plient l'affaire dès la 16e minute. Servi par Mata, Henrik Mkhitaryan réduit les minces espoirs de Remontada à néant. Après, j'aurais aimé que l'on puisse ne pas perdre le match, le gagner. Tout d'abord pour mes joueurs et aussi pour notre public qui a été ce soir exceptionnel. Réunion de famille exceptionnelle aussi. Et pour une fois, la superstar Pogba s'arrête au micro des journalistes après la rencontre. Il revient sur ce moment unique. C'est magique de jouer contre mon frère. Il est venu à Old Trafford, maintenant c'est moi qui viens à Saint-Étienne. On a gagné, c'était le plus important, mais... Voilà, je garde le sourire, même si après une défaite ou même si lui il perd, mais on reste quand même heureux, la famille est contente et voilà, c'est, ça va rester dans nos têtes toute notre vie. La fratrie au grand complet assure le spectacle d'après-match, unique moment d'approche de la famille pendant notre voyage dans le Forez.